est aux alentours de 22 contre 1. Allez, le dernier concurrent à rentrer. Attention, le départ est imminent. 2,50 hein, désormais pour Ready to Rumble. Dernier concurrent qui va rentrer côté corde, c'est Burning Sun. Et le départ va pouvoir intervenir avec Burning Sun qui est parti correctement à la corde, avec Robert qui est très bien parti également. Puis en pleine piste, voilà un rapproché intéressant. Celui numéro 3, Ready to Rumble, qui tente de se rapprocher pour essayer de prendre le commandement, et c'est fait. Ready to Rumble, Portress en deuxième position, à la corde en troisième position. Celui qui était parti le plus vite, le numéro 10, Burning Sun. Il y a bataille un petit peu en tête parce qu'on notera que Portress aimerait bien être repris et sa partenaire eh bien, est en train de tirer un petit peu sur ses rênes. Ouais, on va prendre la tête hein, gentiment avec Burning Sun qui va se rabattre aux commandes. Portress va se retrouver en deuxième position. On prend également ses aises avec la Kazakh Academy à l'extérieur, le numéro 9 qui s'est rapproché. Puis on prend la tête désormais avec le numéro 3, Ready to Rumble. Le favori a pris les commandes. Ouais, le favori en tête qui contrôle, dont Duarte à sa hauteur dans leur dos, Portress. En épaisseur, en quatrième position, Invenerate. Un peu plus loin, regardez, Randon Rosa qui est obligé de faire les extérieurs en cinquième épaisseur. Ça va pas être simple les affaires. Alors que Ready to Rumble entre en tête dans le dernier tournant. Portress dans son dos, un excellent parcours, dont Duarte n'en peut plus. Invenerate est en troisième position. Randon Rosa essaie de quitter les derniers rangs, alors qu'on a un bel effort de ce numéro 8, donc Invenerate qui s'est lancé à la poursuite de Ready to Rumble. Ouais, Ready to Rumble qui a l'avantage, mais attention à l'attaque d'Invenerate qui vient à sa hauteur maintenant. Robert n'a pas dit son dernier mot, la casaque vert et blanche qui vient. Et puis attention, tout en dehors également, le numéro 4, Fille du Roi qui essaye de finir. Lutte à deux pour la victoire, mais on semble maintenant prendre l'avantage avec Invenerate face à le favori Ready to Rumble qui est deuxième. Oui, le 8 qui va l'emporter assez sûrement Invenerate. Le 3, Ready to Rumble sera deuxième. La troisième place reviendra en dehors à Burning Sun, le numéro 10 qui a bien fini. Quant à la quatrième place, eh bien, elle va être disputée. Robert s'est bien comporté, doit s'en contenter vraisemblablement. Balade de santé pour Invenerate qui domine Ready to Rumble qui était le coup sûr à l'arrivée pour la troisième place. Donc Burning Sun est la quatrième pour le numéro 7, Robert. Ouais, on commence avec la victoire d'un outsider, Invenerate, le numéro 8. Deuxième place pour Ready to Rumble qui a animé la course mais qui a trouver à qui parler dans la phase finale. On revoit cette ligne droite justement et belle fin de course de, comme d'habitude, de Robert, mais qui est devancé tout de même par Burning Sun. Ouais, Invenerate qui comptait une performance sur cette piste au mois de janvier 2024, une quatrième place, on le voit ici s'envoler et privé de la victoire Ready to Rumble. On notera que Robert a un petit peu molli à la fin et doit se contenter de la quatrième place.